Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption. Et on se retrouve littéralement sur une sur un nouveau territoire, sur une nouvelle île. Comme d'habitude, prenez de quoi boire et pourquoi pas de quoi manger, ça peut être très très cool. Pourquoi? Bah parce qu'on va se retrouver une bonne heure ensemble. Et je suis désolé, pendant pas mal de temps on s'est pas vu, hein, on s'est pas retrouvé, en tout cas pas tous les deux jours, parce que j'ai eu quelques soucis de type personnel qui ne regardent bien évidemment que moi, et je n'ai pas pu enregistrer. Mais nous revoici présents. Oh, de la viande, je prends les gars. Oh, il y a des boîtes de conserve et tout. Des légumes, vas-y, hein, donnez les gars. Donnez. J'ai pas d'armes, j'ai rien, on m'a totalement racketté. C'est terrible. Tout ce que j'ai acheté a disparu. Oh, mais je prends tout, hein. Rien à foutre de Omi, les gars, là. Vous êtes là, vous me parlez. Allez, vas-y, prends. C'est la survie, les gars. Ok, on est parti. Bon, il est temps d'ouvrir la carte. Pourquoi? Parce que nous avons deux missions. Une juste à côté, une un petit peu plus loin, celle de Dutch. On va aller voir la mission inconnue parce que elle me semble être la plus près, tout simplement. J'espère qu'on va pas rester trop longtemps sur cette île McLesgy, parce que j'ai pas confiance en ce que nous allons croiser. Et ça risque d'être terrible. Et mon sang-froid s'est amélioré au passage. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de lire. J'étais en train de faire la présentation de la vidéo, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? C'est mes armes! Matez ça, les gars! Volcanique. Ok. Je prends totalement, en fait. Je suis là pour baiser le game, en fait. Ok, volcanique, c'est frais. C'est fait. Et c'est frais aussi. C'est pas mal. Fusil. Voilà, double canon. Je prends tout, hein. Je prends tout, les gars. Balle pour pistolet. Voilà. On va se régaler, les potes, hein. Ah bah, faut bien s'équiper, les gars. On va partir à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Malheureusement, je peux pas avoir les deux pistolets. Je peux pas les avoir en akimbo, je ne sais pas pourquoi. C'est parti! Direction notre mission. On va voir l'inconnu. J'espère vraiment qu'on va pas rester trop longtemps ici. Parce que je suis pas fan, quoi que... Ok. Ok. J'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. Eh les gars, c'est un petit raccourci que je connais bien. Je l'empruntais tous les matins, ce chemin, pour aller à l'école. C'est terrible. Attends, quoi? Attends. Ok. J'ai vu une sorte d'ennemi, c'est très chelou. Ok. Monsieur, madame. Madame, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous êtes où? What? Mais qu'est-ce que... Attends, c'est une mission au moins? Dutch vous a dit d'aller voir ce qu'il en est des ouvriers. Est-ce qu'on a un ouvrier par ici? Oh, bah, il est là. Ok. On a bien des nouvelles des ouvriers. Ça, c'est pas... Quoi? Ok. Ok, bon, bah, on s'écroule comme une merde. Oh non, mais les gars, mais c'est pas vrai! Je viens déjà de me réveiller sur une île! Une sauvagerie sans limite. Canales! What are you doing here? Come on! I'm an American! My name is Leviticus Cornwall. ¿Quién es este hombre? ¿Qué? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. Observa un moyen. Lui, il a l'air moins solide. Très bien. Ok, dommage, j'ai failli passer à travers la corde. Allez, allez. Allez. Hop. Maintenant, je vais te mettre des petites patates à mon tour, hein, si ça te gêne pas. Alors? Qui es-tu, hein? Qui es-tu? T'es qui? Bah ouais, c'est chiant.
quand on met des patates et que tu laisses pas le temps de répondre, enculé. Allez, ça dégage, salope. You okay? I don't know. Oh, maybe there's still time to get to the other workers. Oh yeah, I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste. Okay. You don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Vas-y, Baptiste. Régale-moi. Oh. Je t'aime bien, come. Baptiste. Follow me. Okay. Je te suis, cowboy. Stay close behind me. Très, très I bien. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. Ne tue personne. They'll murder the workers for sure. Okay. Who was that fella? Shh. One of Hercule's men. D'accord. Vas-y, mon bro. Quick. Hide. Over there. Et te voy a decir una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Van solo tres meses más y a casa. Por favor. Vas-y, hein. Je te suis, mon frérot. Je te fais confiance. Okay. They've moved. Come on. Keep close behind me. Vas-y, crie plus fort, hein. Ils sont pas à deux mètres. Watch it. Come on, follow me. Putain, c'est tellement drôle les jeux de nos jours, sérieux. Oh, les jeux de toujours, en fait. Les gardes, keep out of sight. Un coup, il chuchote. Un coup, il crie, frérot. Il y en a rien à foutre. Look out! Je te suis en fait là, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'on se batte? El Americanos! Está enfermo. Seguro está disfrutando mientras tortura a esos bastardos. Se le pone tieso el petito. Vas-y, hein? Two more ahead! Take cover on the other side of this door! Ratas? ¿Qué? Criado por el mismo diablo. Vas-y, mon frérot, hein. C'est pour nous. Non, c'est même pas. Même eux, ils savent pas ce qu'ils gardent. Ils sont là, ils savent même. Personne ne sait rien en fait. Ils sont tous là en mode maquet, il y en a qui ne comprennent pas. Ya casi acabo. ¿Saben? Vas-y, hein. Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando. Yes, aucun stress, bien évidemment. C'est pas comme si tout le monde parlait. Estás enfermo. Toca a ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Oui, non, bon, alors lui est aveugle. Cet homme est totalement aveugle. Ça arrive, les gars, ça arrive. Une cécité aiguë en fonction de l'âge, ça arrive. Peut-être du sable dans les yeux, je sais pas. Ok. Follow me. Let's go. Maldito bastardo! Let's head down from there. Shoot the ropes. Ok. Bon, même si tu tires à côté, ça marche. Bon! Regardez ce qui va se passer à partir de maintenant. Damn! They're coming from behind us. Ok. Et je fais quoi? Déjà, je prends un chapeau. Je rigolais, les frères. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est du headshot. Ça, c'est totalement à côté. Ok, pas évident. Ah, c'est pas mes armes, hein. Pas évident. Les gars, allez, eh. Ça dégage. Oh! Damn!
Allez, tout le monde maintenant essayer de faire ça pour son froid. Et ça marche bien. C'est bon là les gars, vous venez à l'infini. Ah oui d'accord, bah toi. Hop, allez, ça dégage. Plus aucun respect pour personne celui-ci hein. Allez, ça dégage. Et ben voilà mon pote. Bah et le mec qui avait un bras en moins. Tout le monde s'en bat les couilles. Venga hermanos, estarán bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes, thank you. My pleasure. This place makes me miss home. Take care, my friend. Hercule is getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Paix, amour, frère. Il m'a donné 2 dollars, ce bâtard. Mais c'est mieux que rien. Il avait pas tort, il avait pas tort. Ah d'accord, 450 dollars. Ok. Je repop le lendemain. Tout va bien, les gars. 400 fucking 50 dollars. Quand même plutôt énorme. C'est parti. Il est temps d'aller voir Dutch. Il faut pas que je me fasse choper. Sinon, ça risque d'être terrible. Ah bah oui, mais je suis con. J'allais manger un petit ragoût des familles. Et bah, il y en a plus. Il y en a plus. Putain, il y a des ligues. Attends. Ça me plaît, ça. Comment ça me plaît, toutes ces conneries-là. Hop, alors rien frérot, voilà. Voilà, on prend tout les gars. Légumes, toujours 5 frais légumes par jour. Ça n'a pas changé. On prend. On va aller voir Dutch. C'est très bizarre que ça m'ait TP comme ça pour une nouvelle journée. Vous portez déjà le maximum d'objets autorisés. Pardon. Ok, c'est pas grave, on se casse. Peut-être encore une nouvelle arme par ici. Oh, des balles. Vas-y, régalez les frérots hein. J'ai hâte de retrouver l'Amérique. Parce que là c'est assez terrible. Plus l'aventure américaine. On en prend plein la gueule partout. Voilà. Allez, on y va. Dutch. J'arrive. C'est parti, on va voir le frérot Dutch. Dutch, non. Attends, on peut passer par là. Je pense que sur un coup de Trafalgar. Oh putain, ça peut marcher. Oh putain. Oh putain. Coucou Dutch. Hey. Hey. Hey, je viens pas de là, c'est une arnaque. What's the plan? Well, I found the cave Hercule spoke of, and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. The entrance is along here. Il y a une ville, mais on est recherché. C'est dommage, j'aurais bien kiffé y aller quand même. J'espère qu'on va y aller dans cette ville. On est juste à côté, donc je pense voir un petit peu comment ils sont what développés. What do we do when we get Javier? Well. We're gonna get the hell out of here and set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together and get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You wanna go back to San Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect biting you or something? Cause you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperados on the run. But with the women, a change of clothes, we're a choir, or a gang of pilgrims, or something. Whatever you say. A bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves while two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! Ay, estas tarde. Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aquí. Dámelo. Oh, it's genuine, you old hag. Ay. Vamos. Vamos. Rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly.
Putain, on n'a pas une putain de thune de ce braquage de merde là. Qu'est-ce qu'elle va faire encore la vieille peau? Suivez Gloria à travers les grottes. Je suis sûr que son nature récupère le maillot. Je vais mettre sa part. Fusar, one of the fellers Bronte pointed out to us at the party in Saint Denis. Yeah, you're right. I knew I'd heard that name before. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Puede callarse ya. Estamos cerca. Attends, c'est quoi en échange d'un lingot? Elle va faire quoi là? Parce que c'est un putain de lingot, les gars. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Arthur, come help me with this. Just lift it. Okay then. Okay. What? Just a bit more. Okay, faut tapoter. On sait jamais quand faut tapoter ou rester appuyé sur son jeu. Ah d'accord. Elle va se calmer la vieille hein. Elle est vivante mais plus pour très longtemps hein. This way. Si. Then you pay more. Quoi? Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch? What are you doing? Oh, Jesus. Easy, Dutch. Hop, ça dégage. Ah, il a bien raison. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Dutch, il commence à faire flipper un peu quand même. Yes. Listen. Il commence à devenir fou un peu, lui. You think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive. No matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. Okay. Mais Arthur, il commence à se méfier. Aïe, aïe, aïe! I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Oh. Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso no estoy para tanto. Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno. Ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Vamos, enough of this. Vamos, carajo. We're going to have to sneak around this way. Okay. Putain, j'avais envie de les démonter, sérieux. They won't notice us if we stay quiet. Putain, j'ai trop envie de sortir un gun là. Démonter tout le monde, frérot.
I'm sure. Allez. Some ideas. Shut up and help me kill them. Je vais me régaler, hein. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Et il a jamais envoyé de signal. Il s'en battait les couilles. Ok. Hop, j'ai changé. Oh, rien. You grab that one. Ok, je voulais pas forcément faire ça, mais pourquoi pas. Ça a l'air de marcher quand même. C'était le but de toute façon. Je voulais juste le chapeau à la base, mais why not? Attends, excuse-moi. Ok. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Hop, on fouille. Je suis sûr qu'en revenant en arrière, on pourrait fouiller la cave. Oh, fortifiant miracle. J'adore le miracle. Ok. Let's go in there. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Ok. Take the other side of this door. Ni es una civilización, un país civilizado. Me podría costar mujeres que usan zapatos. ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? Porque te conozco. Sí, escondí una botella. Voy a buscarla. Gracias. Okay, you take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Es una mierda. Es lo más bajo de una civilización. Ferme-la! Voilà. Ça dégage. Over here. Ok. Je vais le fouiller. On sait jamais. Voilà, un petit rhum. Ah, il est pas ouf le chapeau, mais il est bien en même temps. Je sais pas comment expliquer. Ça fait très Indiana Jones, mon chapeau, tu vois ce que je veux dire? Mais il est pas dégueu. Attends, lui, je suis sûr il y a un truc de ouf sur lui. Ok. Now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. You got any dynamite? Oh, no, we don't need dynamite. We got a furnace. And lots of sugar. Sugar? Oh, yeah. Ok. No problem. You'll see. Mais je comprends pas. Du sucre à part faire du caramel. Tu veux faire du caramel, frère? Je sais pas, je sais pas. C'est assez poussière. Alors ça doit être sûrement vrai, hein. Ils sont pas cons, hein, Rockstar, hein. Ils vont pas faire un détail chelou, tu vois. Mais j'aimerais bien me renseigner sur le procédé. En quoi la vapeur... Pas la vapeur, mais en quoi le... Un feu sans oxygène, mais ils mettent du sucre, je sais pas, la poussière, en quoi la poussière peut alimenter un feu. J'ai pas trop compris, but why not? Ouais, je parle un petit peu anglais, je vous avoue, je suis américain depuis qu'on a commencé cette aventure. Allez, hein, faut y aller, hein, j'allume, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Je comprends toujours pas ton projet, même s'il a l'air de fonctionner. Ok. On va l'attendre dehors. Très très bien. We better hurry. Follow me. Ok. C'est toujours la merde, il pleut sur ces îles, c'est terrible. I don't want to be too close to that building when it goes up. Come on, we can hide. Dutch, il commence vraiment à être effrayant, hein. Ça commence à être un petit peu terrible cette histoire. That place has to blow soon. Get ready to make a run for Javier. Ok. C'est bon, hein? Now, let's go.
faire. Ah d'accord, on est cramé de quoi là les frères? Allez, on la racaille, ça dégage. Allez, ça dégage, j'ai dit. Ok, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de fucking bol sur la... Putain, c'est pas vrai, oh. Voilà. Là. Sors, frérot, sors. Voilà, et toi? Lui, lanceur, il reste plus lui, ça dégage. Ok! Javier! Ok. Voilà. Ça y est, c'est bon, les potes? C'est pas vrai. Ils sont partout. C'est quoi qui sonne là? Hop, headshot, ça dégage. Voilà, c'est pour reload. Voilà. Ça dégage. On se fait surmerger de rien du tout, frérot. Ok. Allez, hein. Il se casse. Aïe. Non. Ok. Allez, je vais tous vous baiser. Comment ça y est, on est putain? On n'arrête pas les darons. Ok, c'est bon, j'arrive, je rigolais. Parce que je vais mourir avec ces conneries là. J'arrive. Et il va se calmer lui, hein. Ok. Ok, une petite boîte de conserve peut-être par ici. Allez hop, fortifiant miracle. Vas-y, régale un BG1. Aïe! C'est chaud là, c'est chaud! Hey, des tueurs dans les champs! C'est des serial killers! Ok, on y va. On y va. Fallait que je sorte cette blague, je l'ai déjà sorti dans d'autres let's play, mais là. Je trouvais que c'était le moment opportun. Ok. Headshot. Putain, mais c'est pas vrai. Avec ces conneries, les gars. Là, je vous cache pas que mon espérance de vie est réduite. Ah, vrai. Attends, les frères, là j'ai plus de. Aïe! Il m'a pas. J'ai pas pu manger. Ok. Je vois que dalle, cousin. Normalement c'est bon, c'était bien. Ok, j'ai rien dit. Les informations sont totalement fausses.
Putain, c'est pas vrai, hein. On voit que dalle! Allez, headshot, ça dégage. Ramasse tes dents, frérot. Putain, on voyait rien, c'est terrible! What you asked. It's like I said, Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, Mifrid. Fusar has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Ah, des bons Français! Ça, on aime! Ok, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? On va faire encore un assaut incroyable? Alors là, je te le dis, mon petit pote. So now we have a cette fois-ci, on passe au lourd. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kinda have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we won. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Okay. Snipes. Ok, sniper ça m'intéresse. Ok, matez ça. Voilà, on voit rien. Je sais pas où je tire en gros. Ah ouais. J'arrive les potes, j'arrive, mais là, frère. What? L'escroquerie n'est donc jamais finie! What? Non, frère, les fesses au moins! Ok. Pas vrai, hein? Qu'est-ce que tu fais, d'où Jésus? Peut-être Arthur, t'es totalement débile. Terrible la visière, terrible. J'ai l'impression d'être sur Resident Evil 1, frérot. Vous êtes combien de millions là? Non, abuse pas. Et hop, dans le dos, mon pote! Putain, on belette. Je vois rien, les frères. Ok, c'est bon. Putain, mais les gars, mais. C'est invisible! Ok. Vas-y, mon bro. Hein. Tu fais quoi? Je tourne la manivelle? Allez, c'est parti, hein. Arrache-moi ça. Oh la Gatling! Oh! Match le délire. Ok. Match le délire. Non, on va envoyer des ogives, hein. 12 ogives secondes. Il va falloir charbonner, hein. Ok. C'est parti les gars, préparez-vous, ça va car toucher, littéralement. Grab that shotgun out there. There's a lot of guns out there. So what do we do? I said we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay then. Follow me. This is kind of fun.
Ok. Matza. Attends, non mais les gars, attendez, parce que l'inventaire c'est la même touche que... Ok, nickel. Allez, on compte. Je vais cartoucher des mains. Allez, hein. Ok. Allez, hein. Là, double canon, rien à foutre, les gars. J'arrive, je suis à la maison, hein. Yo les frérots, hop ça les gars. Come on, let's move down. Yes. Coach, il s'en bat les couilles. Il a bien raison mon pote. This ship just hit the ocean. Ok. There are boats coming from both sides. Damn it. What do we do now? I think I got a plan. Hercule, you take the left. Ok. And you come to the right side. All right. Good luck, gentlemen. Ok. C'est-y par. Oh là, c'est un bordel, les frères. Normalement, il meurt du premier coup, mais je suis pas sûr. Ouais, ils ont l'air totalement de mourir du premier coup. Ok. C'est bon, je rigolais, hein. Ok, on y va. C'est un bordel, les gars. Oh, je crois qu'on va se casser de cette île avec le bordel qu'on a foutu. Ça devrait être imminent. Ok, on va tout recharger. Désolé si je parle pas beaucoup, mais là ça nécessite pas mal de concentration parce qu'on prend beaucoup de balles, mine de rien. Ça se voit pas. Et vu que c'est un gameplay assez lourd, si j'ai pas envie de canner toutes les deux minutes, obligé de me concentrer à fond. Et ça dégage. Voilà, y'a plus personne. Damn, damn, he's getting closer. What are we doing? Two of us must go and use the cannon. You go, Arthur. I'll gladly hold them off this beach a while longer. You sure? Just certain, son. Ok, c'est parti. On va manier enfin le canon. Là, ça va être drôle. Après, on se casse. Parce que là, c'est la merde, hein. Vas-y, régale-moi, frérot. Il a les moyens de nous retrouver. Ah ouais? On va voir. Ok. Javier, il doit être en sueur là-haut. La vache, excuse-nous, hein, sniper. Ok. Yo les bros. Vas-y, régale-moi. Voilà mon pote. Voilà. Sors-moi de l'ogive, frérot. Ok. Bien là les potes. Ah d'accord. Vas-y hein, reload. Bon, phase un petit peu inutile du jeu, ah, aucun danger. Ah ok. 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 Let's get down from here. Come on. That was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you.
and he should be arriving on the dock any time now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. Hercule, it was a great pleasure to make your acquaintance. C'est à moi de jouer là. Je croyais que c'était une cinématique. Ok, très bien. Sacré carnage. Très sympa cette île. C'est un bug là ou quoi? Il y a les bandes de cinématiques, mais je joue, je comprends pas. C'est moi là qui dirige le personnage. Hein. Ok. I thought I was dead for sure. Hi, boys, we got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions, so when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough, nasty, and vindictive. However... In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Hercule? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Hercule, we follow you. On allez, this way. Très bien, il est temps de terminer le boulot, les gars. Bon, je pensais que c'était une petite ville, ou en tout cas un petit village, mais pas du tout. C'est que dalle, là. C'est que des ruines, bordel. C'est que du fake. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette boucherie, là? Ah, ça va être une dalle. Ok. You take out the first guy, and I'll get the other one, ok? Ah oui, d'accord. Super. Let's plant the explosives. Ok, on va placer ça. Pas de soucis. N'inquiétez pas qu'ils vont nous laisser partir. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Mike. Come on, run! Ok! Vache! Oh damn, Daniel! Oh, il survit. Ah d'accord. Ok, ça passe sous les aisselles, pourquoi pas. Mais non, non, mais là... C'est Sidebox, amusez pas. Vous voyez bien qu'on est dedans. On est dans le fond du sujet. Hop, ça dégage. Ok, j'aime pas du tout cette île, putain. Je pensais que j'allais me plaire un tout petit peu là-dedans, là. J'ai hâte qu'on se casse de ces merdiers de merde. Ok. Je me porte volontaire, les frères. Comme d'hab. Ferme-la. Ok. I'll get the dynamite rigged on these cannons. There'll be more coming. We'll hold them off. Up here, Arthur. We'll have a better view. Ok, suivez Dutch. Dutch, Dutch. Okay, come on. Let's pick them off before they get too close.
vois strictement rien. Avouez que vous plissiez encore une fois les yeux. On voit que dalle. Oh, c'est terrible, cette île de merde. Et dépêche-toi, Mika. Hein. Mike. Dépêche-toi. Nearly there. Okay, boys, we are live. Stand back. The captain's being held in the workers' compound. Ok. Maintenant, faut sauver le capitaine parce que forcément, on peut pas partir. Ok. Allez, ça dégage. J'ai utilisé trop de sang-froid pour cette connerie. Mais au moins, ça fait 3 mois, on voit que dalle sinon. Ok. Ça, ça dégage. Putain de merde. Pardon, excusez-moi. Hop. On va courir là-bas. Voilà. Toujours plus proche. Désolé, j'étais... Oh putain, je l'ai achevé à terre, hein, c'était terrible. Hein. Un peu trop bronzé. Pris de sacré coup de soleil, mine de rien, ces conneries. Aucune idée d'où il était, les gars. Vraiment, heureusement qu'il y a la visée auto, sinon... sinon, ça aurait été terrible. Oh, oh, oh. I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are, which is why you're going to let us leave. Or you are dying right here, my friend. We've killed better men than you fools. Enough? Oh, I've had enough of this, Arthur. The rifle? Sure. Are you men gonna give up? Let us leave? Are you gonna die? Put your guns down. Okay. Here. Oh oui, d'accord. Ah, c'est parce que c'est pas du double crash, ça existait pas à l'époque. You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn. I am sorry you got hurt. Captain's head. Let's go. Gentlemen. Oh. Ok, j'ai testé un truc. J'ai totalement testé un truc. On peut le fouiller, putain, j'aurais dû revenir pour la vieille. T'avais le lingot là. Aïe 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 aïe. Hop, un petit remontant. Un petit chapeau. Allez, salut mon pote. Ça dégage. Ah, j'aurais dû revenir en arrière pour la vieille. Hein, quoi? Ok. On va se mettre à l'abri direct. À couvert! Ok, on va prendre quoi? Bon, on va prendre ça. Ok. What? Ça y a eu un truc chelou là. C'était rouge, mais même le cercle était rouge, c'est très bizarre. Ok, on bombarde les gars, direction le bateau cette fois. Shoot him. Aucun problème les gars, pas de danger, j'ai une entière maîtrise de tout ce qui va se passer par ici. Et on voit toujours rien sur cette fucking île. Come on, let's finish this corner.
Hop, ça dégage, mon pote, on monte le viseur. Oh, toi. Désolé, mon pote. Ok. Plus qu'une balle dans le canon. Putain, mais les carnages qu'on fait en ce moment, c'est terrible. Ok. Is up there, I think. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! Okay, my butt. There's another cannon up ahead on Allez, the left. Can you get to that? Il y en a foutu de bombarde. Hein. Cascade. Oui, voilà, on va monter ici. Hop, voilà, on est bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est bon. Mon pote, j'ai te régalé, hein. J'avais dit que j'allais te régaler. Got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on, we'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Nickel, il fait joie. Une seconde trente à peu près. We survived. Just about. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one. Find out what's what. We don't cut and run now? Head back to Blackwater. No. Why not? Because the last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know? And I ain't turning back. I had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one, and you know it. Maybe. Not maybe. We need to split up, keep a low profile, try to track down the rest, but carefully, see if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up, we gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy, and that's not what I thought we were going to be doing here. We have been in a bad way. Listen, I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine, but that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Ok, je sais pas du tout où on est, normalement on est de retour. Chercher la bande à Shady Bell, de nouvelles armes achetées, ok, on est où? Ah, on est bien de retour au continent, ça c'est beau ça. Encore une partie de la map, donc il y a deux nouvelles armes achetées, les dernières, on va évidemment non seulement les acheter mais en plus les améliorer au maximum. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans, oula. Une nouvelle ville très, très bizarre. Un peu dépravée, un peu dégueu. Mon cheval et tout, j'aimerais bien les retrouver quand même. Hein. Et changer de style vestimentaire aussi, parce que là, c'est terrible. Récupérer mon style d'antan, là. Parce que là, franchement, la dégaine que j'ai, frérot. On dirait que je suis un fermier, cousin, c'est terrible.
Bon, si c'est long, on se retrouve devant. A tout de suite, et si c'est pas long, bon bah voilà, il n'y aura pas de coupure. Ok, nous sommes arrivés à Shady Bell et je suis totalement bloqué. Voilà, j'ai bloqué le cheval. Il n'y a plus personne dans l'ancien campement. J'ai eu tout de même, pour vous rassurer, une très très bonne musique, très sympa. Hello? Pendant le trajet. Et c'était vraiment cool. Fouillez la maison pour trouver des signes de la bande. Ils sont partis où, d'où Jésus? Ok. Ah, des petits signes. Strauss, you... Ok. Y'a plus personne? Où êtes-vous parti? On va aller en haut. Non, les gars, j'aimerais récupérer mes armes, mes fringues et tout quand même, abusez pas. Hello? Ok. Là, y'a rien, c'est évident. D'accord. Ok. Shady, Pearson. Ils sont partis où? Attends, il y a tout qui est sans dessous-dessous. Et je peux me permettre. Petite assiette. Encore de la bouffe. Là-dedans, on peut pas fouiller. Ok, c'est très bizarre. D'accord. Ok, toute évidence, y'a rien. On va repasser à la pièce juste derrière. Y'avait rien non plus, mais bon, sait-on jamais. Ah. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around, see if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Worley, let's head inside. Gentlemen, be careful. C'est pas vrai, ils vont jamais crever, hein. Ok. On va essayer de s'occuper des agents. Hop. Voilà, ça on prend. Série de cartes champion du monde. On prend. Frérot, je vais te mettre ta part. Je vais te régaler. Quelqu'un veut me tester en fait? Quelqu'un veut se battre? Okay. Quelqu'un veut se battre encore? Fouillez l'étage inférieur pour trouver une piste menant à la bande. Putain, mais c'est terrible. Elle est où cette piste, d'où Jésus? Donc, on a peut-être quelque chose là-haut. Ok. Il nous reste 2-3 petits trucs à prendre. Cigarettes, cigares, tout ça. Un peu de rhum. Oh, matez ça. Gomme à mâcher de cocaïne, what the fuck? Non, c'était la lettre moi, que je voulais. Ok, très bien. De toute façon, il peut pas la prendre. Examinez la lettre. Voilà, mon pote. Ça, ça a l'air intéressant, ça. Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves.
Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please, come see us when you can. Okay, je pense yours que sincerely, Caroline. Well, thank you, voilà. Darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Ok, allez à Lacay. Aucun souci. Hop, ça je pétale. C'est pour moi. Merci mon frérot. Direction Lacay, c'est-à-dire qu'on fait littéralement. Putain, mais j'étais passé juste à côté. Incroyable, incroyable. Allez, hey, j'espère qu'ils vont me remettre une musique comme tout à l'heure là, hein, avec le. J'en ai marre, je vais me foutre en l'air. J'ai la pire vie de merde. Ils vont me repasser une musique comme tout à l'heure. Allez, c'est parti, on y va. A tout de suite. Ok, nous sommes donc arrivés au nouveau campement. Hâte de voir un petit peu la gueule qu'il a et surtout hâte de te retrouver parce que là c'est terrible. Même Tornade me manque énormément. Un épisode, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Une heure et demie de gameplay sans campement, sans personne depuis que tout est parti en fait très très vite. Hop, c'est parti, on est arrivé. Bah voilà les gars, il y a un petit feu, ça fait plaisir la famille. Par contre, il n'y a plus personne. Ça, c'est terrible. Ah, c'est... Ils sont là-bas. Yo, les gars! Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! Oh, you're alive! Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up! Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Oh, look. Okay. Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me, I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall Kerosene and Tar... The United States government and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here. Putain, mais ça s'arrête jamais. Come out with your
Il est temps de se venger, les gars. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Everyone, get down! Ok, comme ça s'arrêtera jamais, c'est terrible. C'est terrible. On va jamais y arriver. Putain, j'ai envie tellement de donner une balle entre les deux yeux à l'autre là. On va pas perdre encore quelqu'un, c'est pas possible. Je pourrais jamais finir cet épisode en paix. Ok. On va passer en Akimbo à l'ancienne, cowboy. Where are we going? This way. There's a trap door into the other house. We can try to flank them. Ok. Vas-y, viens, dépêche-toi s'il te plaît. Ça va qu'ils connaissent déjà les lieux, c'est terrible. C'est terrible. Get up here. Oui, bah attends. Ok, on va sortir comme des cowboys. Take this. You mistook it for weakness. Now I will show strength and you may mistake it for brutality. There is no escape for any of you. I shall hunt you to the ends of the earth and the end of time. This I killed your friends. Really start to irritate me. Ok. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement stylé. Merde. J'adore voir Arthur comme ça, putain. Ça, c'est excitant. Ok. Allez, ça y est, je vois enfin les points faibles. On voit le petit cœur. On voit la tête, évidemment, qui one-shot. Ok. Oh, c'est tellement stylé, putain, quand il est sorti vénère comme ça. Oh, il m'a fait kiffer. Ok, ça, ça dégage. On va reload. Ok. Passer là-haut. Ouh. Il suffit là, toi. Headshot. Ok. Et sort ta tête, frérot. Ok, toi. Tu die. Ok, retournez la mitrailleuse. J'arrive. Ok. Voilà, mon pote. Vas-y, tu vas me régaler, mon frère. Oh là là, boucherie charcuterie. Ça, ça me plaît, putain. Oh, voilà, Arthur. Là, tu me fais kiffer, bébé. Oh là, j'en ai rien, j'en ai plus rien à foutre, voilà. Tous les corps de lâche. Tous les corps de lâche, ça dégage. Pas un qui est capable de bien viser là-dedans. Voilà. Boucherie charcuterie, je me régale. Envoyé par qui vous êtes, les gars, là? Le gouvernement mes couilles, là. Allez, ça dégage, hein. Hop, tu vas où, toi? You saved us, Arthur. Oh, me and Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some...
goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. I'm begging you two. They're gonna hang him and break my... the boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Meet me at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Ah, on a récupéré Tornade! Oh putain, on peut enfin s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.